sa gloire, vamos juntos a pegar. Amém? Don't push the window, make barica. Don't push the window, make barica. Don't push the window, make barica. When I make barica, when I make barica. Thank you.
Yeah.
et toute l'équipe dirigeante de cette assemblée. La composition passe le mien si à moins de canard pour savoir. La nulisufa, la sulisufa, c'est mes canards pour nous. Et merci pour l'invitation. Que j'ai agréablement accepté parce que, comme il le dit, j'ai une bonne partie de ma famille dans cette assemblée. Et c'est avec joie que je vous retrouve au milieu de vous. Et pour vous apporter le message de la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu, comme vous l'aimez. Je n'ai pas honte d'elle. J'ai une grosse Bible que je traîne toujours, je n'ai pas honte de la parole. Ce n'est pas du fanatisme. J'aime la vie. Il en soit ainsi pour moi. Tournons donc à la parole de Dieu. Nous sommes venus nous joindre à tous les membres de cette église pour une action de grâce. Je vous invite à ouvrir la Bible dans Genèse au chapitre 12 et le verset 10. Je m'excuse, verset et le chapitre 32 et le verset 10. Genèse 32:10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toutes les fidélité dont tu as été, tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce jour-là avec mon bâton. Et maintenant, je forme deux camps. Cela faisant partie de notre introduction, je vais introduire succinctement le message. Au point 1, nous allons définir ce qu'est la grâce. Au point 2, nous allons voir ensemble les points forts d'une action de grâce. Au point 3, avant la conclusion de notre message, nous allons examiner les bienfaits d'une action de grâce réussie. La Bible, qui est la vérité, déclare que une action de grâce sincère dans la pure volonté de Dieu. Selon 1 Thessaloniciens 5:18 que je venais de côté au premier abord. Was in Thessaloniciens nous ni sornetant comme un dinga quineyam. Une action de grâce rend perpétuellement joyeux à celui qui le fait à Dieu.
bibanti par kusoming hakika apporte l'ending sentik d'abord kuson potwina sino wa kata. Car dans la parole de Dieu, Dieu a donné un commandement qui est réel, qui peut être exécuté. Soyez toujours joyeux. Nous pouvons nous poser la question, est-ce qu'on peut être toujours joyeux? Parfois nous sommes devant des cercueils, devant des soucis innombrables. Mais j'ai dit que la parole de Dieu est la vérité. Et c'est dans cette vérité que Dieu déclare en disant, soyez toujours joyeux. Si c'est un commandement de Dieu, un ordre, ça veut dire que c'est possible. Alors, comment pouvons-nous être toujours joyeux? Si nous regardons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, il y a une liste d'événements que l'homme doit observer et être toujours joyeux. C'est là que le commandement nous est donné. Soyez toujours joyeux. Si vous voulez être toujours joyeux, voici ce qu'il faut faire. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est là la volonté de Dieu. En troisième point, n'éteignez pas l'esprit qui est en vous. Si vous êtes bien baptisé du Saint-Esprit, parlant en langue, ne permettez pas à cette flamme de l'esprit de s'éteindre dans votre vie. Et ainsi vous serez toujours joyeux. Et la parole vous nous dit, ne méprisez pas les prophéties. Aujourd'hui, nous avons des prophéties pleines qui disent, Dieu a dit. Pourtant, Dieu n'a rien dit. Ce n'est pas de ces prophéties-là que la parole de vérité nous parle. Quand Dieu parle, il parle à ses enfants et il voudrait effectivement que ce qui vient de lui nous puissions garder et ne jamais mépriser la prophétie. La bravo, là tu vous me signes, bama wena nengoa. Ton mena toa si lera et toi la bravo pour et bango kwame. Et pour être toujours joyeux, là tu n'as rien que le zin sino kwa. Examinez toutes choses dans ce que vous faites. Et ayez la bonté de retenir ce qui est bon. Quand vous vous levez, par exemple, le dimanche pour venir à l'église, vous pouvez choisir deux vêtements.
Et vous vous posez la question, laquelle vais-je m'habiller? Ou bien vous frappez dans votre veste, madame vient dire, ah non, chérie, ça là, on ne peut pas amener ça à l'église. Voilà, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un vous êtes en train d'examiner ensemble pour savoir ce qui est bien. Pour être toujours joyeux, la Bible dit que examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Pour son sommeil est à ton ya, tu le baisses, la fesse pour le pain. La gade bouffinsi à Somawakala. Alors, Dieu apprécie toujours ceux qui reconnaissent ses hauts bienfaits. Harwena nongame la perdane, omrami sommi, tu bange bantoum kasomsa la ti perawa. Et dans une action de grâce, il y a des points forts. Albara pour son pouvoir. Que nous allons examiner dans notre deuxième point. Qu'est-ce qu'une action de grâce? Une action de grâce est un acte de reconnaissance de celui qui reçoit un immense cadeau. Ya nyam son tariel marsan, en pousse le bac isame, nyam son de pousse ya kasanga net net. Un cadeau que vous ne pouviez pas avoir. Ouni nyam son da katrin parye. Et de vos propres efforts. Ne nyam menga son wiki menga. Et vous décidez du fond du cœur de dire merci. Ti nyam son ro poe yam nyak yam. Jusqu'à mettre en activité ce remerciement du fond de votre cœur, jusqu'à ouvrir la bouche et exclamer votre reconnaissance. C'est pour ça que nous sommes rassemblés ce matin avec nos lèvres. Nous magnifions Dieu pour dire combien nous sommes satisfaits de ce qu'il a fait pour chacun de nous. Une action de grâce alors est une action, est un acte de reconnaissance et de remerciement de celui qui reçoit du donateur. Alors, quels sont les points forts d'une action de grâce? Lisons dans 2 Chroniques au chapitre 6. À partir du verset 12. Il est ainsi écrit. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et il étendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mis au milieu du parvis.
damara singa ne sunju tawo maya katiga nu. Et elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Ayamia katiga nu tasanglom ya katiga tawo. Ici plaça se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. La nyumbe bébé, nyum Israël ne va corre un sekanusa nyingri. Et il dit, Yéria, ô Éternel, Jusaba wina, Dieu d'Israël, nyamia Israël ne va wina, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Kape nyingra, bidunya so. Dans les cieux et sur la terre, bien sûr, tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. La runda la après avoir observé toute la grâce de Dieu. Une action de grâce a été rendue à Dieu par Salomon et tout le peuple d'Israël. Donc, rassembler ce jour pour une action de grâce est quelque chose de normal et de bien qui réjouit le cœur de Dieu. Donc nous pouvons déclarer que tout homme ou toute femme qui est sage ou intelligent et instruit doit être reconnaissant à Dieu. La sampam somosko a sedane tanya grace ya barkoko on will win na masabe. Et tout chrétien spirituellement mûr, il est Christel pour faire son vie et dont son éducation est fondée sur la parole de Dieu, tatiba somosta observe salan tip sous son même gonda, doit continuellement des actions de grâce à Dieu. Ya tileni kam sama pour qu'une action de grâce réussisse, il faut fonder cela sur des points forts que nous percevons dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Selon le texte que Salomon nous a fait lire, le premier point fort dans une action de grâce est le suivant. C'est la présence manifeste de Dieu au milieu de ceux qui célèbrent donc cette action de grâce. Le roi Salomon, après avoir rassemblé tout le peuple d'Israël, et... Oui. Pour organiser l'action de grâce, au milieu de cette action de grâce, Dieu s'est manifesté par sa présence.
D'abord, Salomon a fait apporter l'arche de l'alliance qui présentait la présence manifeste de Dieu. Et plus que cela, Dieu s'est manifesté par une nuée pour dire je suis au milieu de vous. C'est pour cette raison que nous sommes rentrés dans la prière introductive. Nous avons demandé à Dieu d'être au milieu de nous et de nous conduire dans toute notre cérémonie. Et nous faisons foi que Dieu a exaucé et qu'il est au milieu de nous. Et qu'il est en chacun de nous. Et qu'il se manifeste dans tout ce que nous faisons. Frères et sœurs, si vous voulez organiser une action de grâce, préparez vos cœurs. Préparez la place pour que Dieu prenne plaisir à être au milieu de vous et en vous et qu'il se manifeste dans tout ce que vous faites. Le deuxième point focal, c'est l'adoration et la louange et nos offrandes que nous apportons à Dieu. C'est ce que Salomon et le peuple d'Israël a organisé et ils ont accompli et Dieu s'est manifesté. J'étais émerveillé ce matin d'entendre des guitares sans le son vocal et des instruments de musique et nos voix ensemble à travers ceux qui nous ont dirigés donner gloire à Dieu parce que nous sommes venus l'adorer et le louer. C'est là pour même si nous nous même son bénir son bonheur qui pour nous de pécale et dans la parole de pécale qui n'est pas fin de la patate et qui n'est pas sur son égouraoué en parlant sans casser l'oura. L'adoration, c'est quand l'homme dit qui est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'a pas de commencement ni de fin. Il est puissant. Il est créateur. Il est sauveur. Etc. À travers nos chants et nos cantiques, c'est ce que nous avons exprimé à Dieu. La louange, c'est dire ce que Dieu a fait pour nous. Et nous avons eu l'occasion d'entendre des témoignages qui montrent que Dieu travaille au milieu de nous. Dieu nous a fait tant de bien. Particulièrement à cette église qui voudrait reconnaître les bienfaits de Dieu. C'est pour cette raison qu'il nous a invités
à venir s'associer à eux pour dire à Dieu, tu nous as fait tant de bien que nous ne pouvons les compter. Alors, l'adoration, c'est confesser de sa bouche qui est Dieu. La louange, c'est confesser de sa bouche tous les bienfaits de Dieu à notre égard. Et en retour, là, si Dieu nous donne, c'est lui-même qui nous demande de faire aussi un acte pour lui donner quelque chose. Notre adoration, notre louange, mais aussi des offrandes pour dire à Dieu, j'ai reçu et je vous le redonne. Salomon et le peuple d'Israël ont fait des sacrifices, d'actions de grâce et des sacrifices qui étaient de bonne odeur pour Dieu. À Salomon et Israël neva omana barkos mongo tu sobayinga la kuni tu sobayinga. Nous pouvons exprimer notre reconnaissance en apportant nos offrandes volontaires et de tout cœur dans la maison de Dieu pour notre Seigneur. Tonton kusa wina baraka tonsonawa nyakela il bongo. Si par amour, vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie et vous êtes dans cette assemblée, le plus gros cadeau que vous puissiez donner à Jésus, c'est votre cœur. Et vous réjouirez le cœur de Dieu en vous donnant, en lui donnant votre cœur. Et si quelqu'un, un être humain, réjouit le cœur de Dieu, en retour, Dieu réjouira profondément votre cœur. Le dernier point fort de notre action de grâce, c'est ce que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 5:18. Dire merci aussi. Se joindre aux frères et aux sœurs. Individuellement et collectivement, dire merci à Dieu. Je crois qu'avant de terminer le dernier point de mon développement, l'invite de l'Église à chacun de nous ce matin, c'est venir nous joindre à eux, élever nos voix et dire merci à Dieu pour tous les hauts bienfaits que nous pouvons entendre. Je vais donc vous inviter à vous tenir debout. Nous allons nous joindre au pasteur Wedraou et toute l'équipe, disons tous les chrétiens de cette chapelle, dire merci à Dieu pour tout ce qu'ils ont fait
pour cette assemblée. Ensemble, disons merci à Dieu pour tous les beaux bienfaits de Dieu à l'Église. Notre Dieu, notre bon Père, plein de compassion, plein d'amour. Merci Seigneur pour nous avoir permis d'être là. Merci pour avoir fait du bien à toute cette assemblée. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Pour le pasteur, son épouse, sa famille et tous les chrétiens de cette assemblée. Merci parce que c'est toi seul qui nous a permis de voir ce que tu as réalisé. Cette maison, ce bâtiment, Seigneur, les cœurs ici, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci. 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 Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci de vous joindre à toute l'Église pour dire merci à Dieu. Nos cris sont montés avec Dieu. Et cela fera du bien à cette assemblée. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Le dernier point, les bienfaits d'une action de grâce réussie. Il est à me bon somnianis va son lui n'est pas posco sans un point souhait il y a son main. Selon l'esprit de la Bible, quoi pour ce somnianwa si son sang gomne ton là. Quand le chrétien adore et loue Dieu en esprit et en vérité, en étage du Christ sans avoir ce sabbat, la pierre de l'amnésie à l'anécida. Dieu prête attention et répond positivement à l'appel de ce chrétien. Et la première des choses, c'est ce que nous avons vu au premier plan. Dieu manifeste sa présence dans la vie de ce chrétien. Alors, quand Dieu se manifeste dans la vie de chacun de nous, le cœur devient la maison de Dieu. Nous vivons dans une vie de sainteté et de pureté qui est agréable à Dieu. La bonne vie, son nom, la belle vie, sont un tawinant. Et il joue ainsi le rôle de conducteur de la vie de ce chrétien. La wanka kangala ju sava menga. Un des bienfaits encore d'une action de grâce réussie, c'est que Dieu révèle sa gloire qui transforme l'être humain qui l'adore et le loue à la ressemblance de Dieu, comme il est dit dans Genèse, que créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
dans le sous-sol asile ou à tenir quand vous sortez pour la ou en quatre canga à wind de sous-sol. Après l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, nous avons été ramenés donc à cette première déclaration. Faisons l'homme à notre image, selon notre exemple. Banguita a chéri pris ce manco n'ingrafica sur teka, yon qui t'aime, qui t'en lève l'évré, wabra mis wena, n'est son waman, singer se rahon pongo bien et yetia, et mani sala ta ywa ton, si ya wena mon wenro. Dieu dira, soyez saint, car moi je suis saint. Si saint kasem na yéria, vivin ou pédon quoi, baraman ya ou pédon sa. Parce que dès l'origine, Dieu nous a fait créer, plutôt nous a créé à son image selon sa ressemblance. Efforçons-nous dans notre vie, avant le retour de Jésus, d'être à la ressemblance de Dieu. Oui, comme un zanga, un dégâts dans l'air, les bons wawa, en parlant, y wena, minga, si ya saba, y wena, wena. Et si nous avons pouvoir rayonner, à Sayawoto, ton entourage, comme nos trois airs de notre centenaire nous rappellent, nous devons rayonner comme Moïse, descendant de la montagne, après avoir passé d'agréables moments avec Dieu, il était rayonné. Aujourd'hui, nous devons rayonner par le témoignage que nous rendons de Jésus-Christ à tous ceux qui sont autour de nous. Alors, cette ressemblance de Dieu en nous va nous amener à vivre dans la paix et dans la communion fraternelle avec Dieu et les autres. Tous les jours. Et un des bienfaits encore de notre action de grâce réussie, la bonne dans notre adoration et notre louange, le Saint-Esprit va remplir tout notre être entier. Et nous serons des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et parce que nous allons adorer et louer Dieu de tout notre cœur, alors la parole de Dieu va nous sanctifier à tout moment. Par sa parole et par son esprit. Et nous serons vraiment des chrétiens qui plaisent à Dieu. Et quand nous allons sortir, les gens vont dire il a été avec le Christ et il est avec le Christ. Dieu prend plaisir par une action positive de protection pour ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La winama manda sino haikika. La yon ki tamto man koum se ya koum songo ne koum lumnugu. Andebra mnisi hensiri ya bango rumenga angora bamnesira la nesida yinga. Et Dieu va nous conduire sur le droit et bon chemin. La winama nanta kondo so bouk se ya tira ya so songa jugu. Tout comme les mages ont été instruits par Dieu de repartir par un autre chemin,
Awap pie ma wenda meng son gom ne ma wuliba pour tik sore le meng zakre. Dieu va nous conduire toujours sur le chemin où il n'y aura pas d'incident et d'accident. Akika, justement intelligent. Par exemple, la santé ne doit pas contester les décisions de Dieu. Recherchons à être des hommes et des femmes qui reconnaissent les bienfaits de Dieu. Alors, je répète, tout chrétien qui a reçu l'enseignement, l'éducation chrétienne dans sa vie, tout comme les deux qui nous ont fait entendre leur témoignage, l'autre mettait l'accent pour dire j'ai reçu l'enseignement de papa, j'ai reçu l'enseignement du pasteur. L'enseignement du pasteur, le pasteur aussi transmet pour dire qu'il a reçu parce que son professeur ou son maître a reçu, mais moi je me lève, je vous dis l'enseignement de la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous aurez la vie. Et la vie en abondance. Par contre, si vous rejetez la parole de Dieu, vous connaîtrez ce que elle-même déclare, la mort. Et c'est la mort éternelle. Nous voulons vivre. Nous ne voulons pas mourir. Lisez la Bible. J'allais dire mangez la Bible, buvez la Bible, vivez de la Bible. Et que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Oh.